Bon, alors là, pour les gens qui verront ça sur YouTube, je précise, cette VOD-là risque d'être autant la meilleure que la pire qu'on ait pu faire sur le jeu, puisque c'est le moment enfin où on peut se poser un petit peu, deux secondes, là, vis-à-vis du scénario, et du coup se poser la question des quêtes annexes. Alors bon, en live, on vient de vivre un truc qu'on appelle le vertige, c'est-à-dire le « Waouh, tu peux faire tout ça dans le jeu !» C'est un truc qu'on va résumer vite fait pour la VOD. Donc pour faire très très simple, en fait dans ce jeu vous avez le même format que dans les Yakuza, sauf que je savais pas que ça marchait comme ça. On va y revenir pour les gens qui découvrent comme moi un petit peu la formule, vous allez juste halluciner. Donc je refais un petit topo vite fait. En fait ce qui se passe c'est que sur le portable il y a un truc qui s'appelle Kamurogo. Et dans Kamurogo on voit qu'il y a des missions commerce et des missions ville. On voit qu'on a 18 sur 407 pour les missions commerce et 7 sur 87 pour les missions ville. Les missions ville ça va être par exemple taper tant d'ennemis, faire tant de trucs sans prendre de dégâts, faire tant d'attaques avec telle capacité, faire tant de machin. Et puis ça va être aussi par exemple faire je sais pas moi tant de parties de Shogi. Ça va être aussi financer des trucs sur Kickstarter, alors je sais pas encore ce que c'est, on verra ça plus tard. Faire également des choses concernant donc les codes de conception de turbo, donc ça j'imagine que c'est pour la conception des drones. Et puis dans les commerces en fait on voit que chaque commerce a sa liste de succès en fait. Donc par exemple si on fait ça on voit qu'il faut manger absolument une fois tous les plats de toutes les boutiques. Donc là je pense que le végétarisme du perso il va, bon, ça va être compliqué. Et puis on voit qu'on a la même chose pour les jeux d'arcade. Par exemple ici il faut réussir à tuer tous les personnages du jeu de Fighting Vipers par exemple. Il faut également faire 30 victoires dans Puyo Puyo, faut également faire des choses dans du coup Virtua Fighter 5. Et puis on a également la même chose pour l'autre salle d'arcade où cette fois-ci on nous parle du jeu de moto un peu chelou. Rappelez-vous également les chapitres de Dead Souls qui sont donc Camaro of the Dead, la parodie de House of the Dead. Et puis tant d'autres choses. On a également ici voilà le truc de la VOD précédente, c'est-à-dire que en fait on avait 6 objets à récupérer pour Décor Océan saison 1 pour collectionner des capsules et avoir des points bonus. Bref, il y a énormément de choses. La même chose pour le Mahjong, la même chose pour les drones, la même chose pour du coup le baseball, la même chose pour le Paradise VR qu'on n'a pas encore vu. Le jeu il est infini. En vrai, le jeu, il est absolument infini, mais du coup, on va avancer, hein, on va faire ça. Donc là, c'est la VOD des annexes. Et donc, pour commencer, ce que je suggère, c'est qu'on aille ici acheter donc un objet, puisque je rappelle qu'à chaque fois qu'on récupère des choses dans cette boutique-là pour 700 yens, on nous donne des bonus. Alors nous, on va se faire un petit plaisir, on va s'acheter un petit jack. Allez, c'est parti, on achète direct, oui. Ce qui fait qu'on va gagner des points, normalement. Voilà, on a 3 points supplémentaires, ce qui fait qu'on va augmenter l'amitié normalement ici. On arrive au total de 6 points et on se rappelle que lorsqu'on sera à 10 points, on aura un disque qui nous sera donné. Alors je vous avoue que je suis assez curieux, je me demande ce qui se passe quand on valide le disque. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter un stam... Ah merde, j'ai déjà la limite de l'objet, pardon. Qu'est-ce que je peux acheter d'utile? Éventuellement je peux acheter... C'est quoi ça? Une véritable explosion de douceur à base d'eau de source entièrement naturelle. Ça coûte 100 balles, je suis refait 100 balles quasiment. Ah voilà, et là on a pris 10 points et donc bam, voilà. Ah oui d'accord, donc si on prend ça, réputation en ville niveau 2, on a actuellement 10 points, ce qui veut dire qu'on va avoir une récompense formidable. Et on va avoir un disque, le 33 tours de Popo de Shichi Fuku. Et donc on a cette fois-ci voilà, quelque chose qui va nous aider. Alors, liez-vous d'amitié avec tous les habitants pour effectuer des liens IX avec certains d'entre eux. Les liens IX sont comme des actions IX normales, mais elles ne peuvent être déclenchées que là où se trouve votre amitié. Alors, si vous trouvez quelqu'un en ville qui pourrait faire un bon allié, ne manquez pas cette occasion. D'accord. Et donc là, du coup, lui, c'est devenu notre copain. Alors, on a fini l'amitié avec lui. Est-ce qu'on peut passer à un niveau supérieur d'amitié? C'est la question que je me pose. Donc du coup, simplement, je vais reclaquer des thunes, c'est pas grave, on a de quoi faire. Je vais acheter un Toriner, on s'en fout. Juste pour voir si ça refait exactement la même chose. Je regarde, non. L'amitié est au max. Donc du coup, on a chopé le disque ici. D'accord, donc en gros là, on a verrouillé l'amitié. Alors il n'y a rien qui a changé. Ah si, vous avez vu, du coup le lien d'amitié, il est vert foncé. Genre c'est un lieu d'amitié, mais on l'a maxé en fait, pour faire simple. Si je fais ça, voilà, vous voyez ici que le lien il est différent par rapport à celui-ci. Ah non, parce que là c'est la même chose. Du coup c'est pas clair. Du coup c'est pas très clair. Ou alors peut-être que là aussi je l'ai déjà fait. Je suis pas sûr. Bon, admettons c'est pas très grave. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici pour enchaîner. On va aller dans cette salle d'arcade là parce que j'aimerais valider un truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette zone-là, rappelez-vous, il y avait des jeux d'arcade. Et il y en avait un qui avait l'air absolument barjo. C'était l'équivalent du House of the Dead. Il était pas là?
Pour moi, c'était là. Moteur machin. Non, c'est pas ça. Ah, peut-être en bas alors. Ah oui, c'est ça, c'est à côté des gachas, c'est ça. Donc là, on a les gachas, bien sûr, qui sont aussi à compléter. Allez, je résiste pas. Je ne résiste pas. Super Monkey Ball, c'est pour nous. Ça vient se passer. Ça vient se passer. Est-ce que je peux juste vérifier un truc? Attendez. Je veux juste vérifier un truc. C'est combien de... Combien d'UFO catcher il faut qu'on récupère? J'ai peur. J'ai très très peur. Alors, Camologo, c'est parti. On va dans le commerce. On a dit donc que c'était celui-ci. Et alors, il en faut combien? Machine à pince, voilà exactement. Il faut 5 objets. Non, il faut combien de... Il faut 15 objets. 15 objets. 15 objets, c'est jouable. On sait qu'on en est capable. C'est parti. Alors attention les yeux, là, on insère la monnaie et on y croit. Ah, il a changé la vue. Ah merde, par rapport à la dernière fois. On va commencer par celui-ci. Oh non, la fausse joie. La fausse, mais t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de me faire croire que c'est ok, en fait c'est pas ok. Bon, on recommence, on le prend de côté. Allez, c'est bon, ça va passer là. Là, c'est la bonne, j'y crois, vas-y. Oui, non. C'est horrible, c'est pire qu'en vrai. Mais pourquoi ils ont physiqué ces putains de jeux de la mort? Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Ça devrait même pas être physiqué, un truc pareil. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Allez, oui. Oui. Non, je te merde. Non, mais c'est horrible. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Merci Jordan qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. C'est grâce au sub hein, qu'on peut tenter notre chance. C'est de l'arnaque comme en vrai. Mais c'est ça, c'est le pire. Ah, vas-y, mais casse-toi. Mais vas-y, mais quel jeu de merde. C'est pas possible. J'en veux au moins un. L'idée, ça serait qu'à chaque fois qu'on passe devant, on en chope un. Et comme ça, on arrivera vite à 15. Vite, façon de parler, bien sûr. Allez, là. Là, honnêtement, je pense que je l'ai. On va voir, mais je pense que c'est ok. Mais vas-y, putain. Bon, je vais faire l'autre technique. Il y a une technique qui existe. Merci Clem. C'est pour mettre les jetons. Tu m'étonnes. Merci beaucoup dans tous les cas. Ah là 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 là. Allez, c'est bon. Parce que la technique, en fait, on va le faire rouler. Je vais faire exprès de prendre derrière et on va le faire rouler jusqu'au tour. On va voir. Oui. Allez, encore un coup. Encore un coup et c'est la bonne. Ça va passer. Allez, me saoule pas. Comment ça, zéro essai? J'ai déjà plus de thunes. Putain, je crois que je suis pas allé assez loin. Mais non. Oh, les GG. Les techniques de Filou. Elle est là. Le cheat évident, mais n'importe quoi. C'est du powerplay, ça. C'est complètement du powerplay. Allez, on va récupérer la dernière, celle du fond là. Oh, je crois que je suis pas assez bon. Je crois que ça va pas. Le talent de ouf. Ah non, j'étais tellement fier. Comment tu peux me faire ça? Après toutes ces années. J'y ai vraiment cru. Oh, je suis dégoûté. Mais là, c'est impossible. Là, je l'aurais pas. Non. Pou. Allez, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le vrai jeu. Voilà. C'est comme ça qu'on joue ici. Aïe. C'est le vrai talent. Bon, bah, c'est bon, je fais le full set. Hein. Tant qu'à faire, on y est. On est parti pour. Allez, je vais prendre celle du fond, là. Les peluches les plus grosses, c'est les pires de toute façon. Incroyable. Alors ça sent la peluche de merde où la pince est trop petite. Ça pue de ouf. On va tenter, mais je la sens pas du tout la grosse.
Allez, avance, avance, avance. Ok, ok, là je récupère dans le corps là. Vas-y, tu le crèves en deux s'il faut, mais tu le chopes. Je pense que là c'est bon, honnêtement je pense que c'est bon. Putain, mais vas-y, ces années d'entraînement au camping de l'Espiguette là. Mais non, mais arrête! Ah, ça c'est ce que j'aime pas, ça. Ça c'est quand c'est la physique. Putain, mais ces pinces de merde. Vous savez qu'en plus il y a un aléatoire sur la force que va avoir la pince. En termes d'intensité, en fait, c'est pas forcément la même d'un coup à l'autre. Ce qui veut dire qu'en fait, quelqu'un peut avoir l'impression que ça passe nickel et en fait, pas du tout. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Elle est inchoppable, cette putain de peluche. Mais oui, le camping de l'Espiguette, bien sûr, à côté du Gros du Roi, on y est tous allés dans ce camping. Non, peut-être pas, mais. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Allez, claque la monnaie, là, on y est presque. On y est presque. Je le sens très très bien. Je le sens très très bien. On va voir. Allez, avec la physique, là. Allez, tombe pas en arrière, hein, fais pas le fou. Fais pas le fou. Fais pas le fou. Victoire, allez, ça c'est bon ça, plus qu'une. La dernière, c'est la pire je pense celle-là. Honnêtement je pense que c'est la pire. La victoire est absolue. Bon, c'est quand même plus simple dans le jeu que dans la vraie vie hein. Même s'il y a des gens qui powerplay vraiment les pinces hein. Je connais des gens, ils ont le truc quoi. Allez, parfait ça, ça c'est parfait. Bon, ceci dit, on a quand même claqué depuis tout à l'heure. Combien de yens là? C'est quoi? C'est 500 yens pour lancer? C'est vrai? C'est 500 yens? Ah ouais, j'avoue, 500 yens 3 parties, putain, c'est 4 balles quoi. Oh la vache, on a claqué combien de thunes là? Je viens de claquer 17 balles. Après ça va, hein, franchement 17 balles pour 3 peluches, c'est ok. Quoique, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Bon après ça va, on a quelques thunes quand même. C'est la pire VOD de YouTube, je le savais. Je le savais en le lançant. Non mais je pense qu'on va s'amuser sur la House of the Dead là. En plus il y a 5 chapitres et tout, ça a l'air fou. En vrai c'est super chat, mais tellement. Ah, c'est bon. Oui, oui. Vous savez qu'une fois, dans un truc comme ça m'arrivait que ça soit resté bloqué sur le machin. Mais par contre tu dis au mec, tu dis attends là c'est triche. Et il fait ouais bon d'accord. Et il te le replace à un endroit facile. Qui en fait est pas du tout facile. Bon bah c'est GG. On a fait le full set de Super Monkey Ball. Je suis fier, je l'avoue. Je vais pas mentir, je suis très très fier. Donc là si on regarde l'avancée de Kamurogo là dans les commerces de merde, c'est à dire ici là. En fait du coup on a 5 sur 15 et donc j'ai réussi normalement le truc de base. C'est ça, on a fait celui-ci. Et donc on gagne des PA et les PA c'est ce qui nous permet d'améliorer notre personnage. Donc c'est stylé hein, franchement les mini-jeux utiles et tout, c'est très bien fait. Allez c'est parti, donc là, là c'est le vrai jeu. Le travail peut attendre bien sûr. Là c'est le vrai jeu. Ah non, il te le donne pas, il te le recale à un endroit plus accessible, soi-disant. Sauf qu'après, il diminue l'intensité de la machine et tu vas dans le cul. Donc non, vraiment, c'est terrible. Ah, si c'était un jeu IA, tu jouerais avec ta propre CB, j'avoue. Donc là, celui-là, on l'a fait. On est d'accord qu'on l'a fini, hein, le chapitre 1, c'est ok. Ah mais attends, est-ce que je dois refaire tout le chapitre? Attends, merde, j'ai un doute. C'est moi, je viens de relancer comme un débile. Oui. Bon bah voilà, je viens de claquer 500 yens dans le vent, c'est pas grave, c'est les moments, c'est les bons moments. Ça valait le coup, hein. C'était un argent bien investi. J'ai oublié de s'il fallait faire le 1, 2, 3, 4, 5, ou si je pouvais me contenter de faire le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Parce que meilleur score 0, je suis pas d'accord, j'ai fait un rang A la dernière fois. Alors on regarde, du coup, donc on était ici. Alors, là, il faut qu'on fasse effectuer un triple. Non, ça a rien à voir ça. 3 in the bed. On est d'accord que là c'est plan A3 quand même le nom du trophée. Hein. Donc tu voilà, tuer 500 zombies. Ah oui d'accord, ça veut dire qu'en plus on va devoir jouer plein de fois pour faire tout. Bref. Alors terminer tous les niveaux dans Kamuro of the Dead à la Sega Tower, machin, je sais pas quoi. Ok. Alors ça c'est la base. Maintenant est-ce qu'il y a d'autres trucs? Faire 777 tirs à la tête. Putain mais les enfoirés. C'est chaud, c'est vraiment chaud.
et ensuite terminer le chapitre 5. Donc en fait, je pense que juste faut faire tous les défis quoi. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que là ils disent que faut faire tous les niveaux, alors que là ils disent que en gros c'est pas 1 sur 5 par exemple. Je suis pas chaud. J'ai très peur. Est-ce que c'est mal traduit en fait? C'est ça la question. Bon, vous savez quoi? On va faire les 5. Comme ça au moins on se remet bien. On va faire les 5 et ce sera très très bien. Il y a aussi un trophée bronze pour avoir chopé 50 fois une trousse de soins dans Camera of the Dead. D'accord. Bon, on va tester. Allez, c'est parti. On refait le premier. Le virus s'est très vite propagé dans tout Camelot Show. Pour mettre fin à cette catastrophe, le gouvernement a ordonné un bombardement de saturation pour enrayer l'épidémie des morts vivants. Mais quelques survivants se trouvent encore à Camelot Show. Doubleur de zombies depuis 1988, hein, je précise. Et il ne reste que quelques heures avant le début du bombardement. Non, Chewie, c'est... C'est quoi ? Non, il faut que je me concentre pour le faire bien. Mais voilà, c'est très bien. Chapitre 1. Le sound design de l'enfer. Vite ! Mais non. Allez, ça, c'est le beau jeu, ça. Ah, merde. Parfait, parfait, c'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Reload! Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu, le vrai? Le House of the Dead, il est ouf, en vrai. House of the Dead 2, je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus passé de temps avec mon flingue PS1. PS1, n'importe quoi, Dreamcast? J'ai un doute. Attends. Non, c'était Xbox, et c'était House of the Dead 3, je crois. Mais le 2 aussi, je connais par cœur, pourquoi? Comment j'ai pu jouer au flingue à House of the Dead 2? J'ai un doute. Attends, ça c'est la merde ça. C'est bon. Reload! Time Crisis aussi, bien sûr. La musique de House of the Dead 2, on s'en rappelle, mais surtout la musique de Time Crisis, bordel. Avec le mec qui lançait les couteaux là, en faisant. Il était ouf. Allez, c'est GG, pour le moment tout se passe bien. Et là, c'est le boss. Peut-être en bande d'arcade, tout simplement. Ouais, j'ai peut-être trop joué en bande d'arcade. Ah oui, c'est ça la vie. Allez! Oh mais quel talent! Oui, je m'auto-congratule. Incroyable! Il est mort! GG! C'était le... Oh, rang S! S'il vous plaît, quand même! Je me fous pas de votre gueule. Précision 93%. C'est nickel. Chapitre 2. Ah mais je suis sûr qu'il faut faire tous les chapitres d'un coup. Je pense qu'on a bien fait. Honnêtement, je pense vraiment qu'on a bien fait. En vrai, c'est chaud, hein. Non, saloperie, va. Allez, reload. C'est bon. Ça va bien se passer! Putain, mais c'est chaud! Pour viser, franchement, il faudrait que ce soit compatible move en fait. Et ouais, du coup, j'ai raté la vie derrière quoi. Allez, monstre de l'angoisse! Ok. Ah, il y avait encore le truc en bas, je suis deg. Ok, c'est bon, c'est GG. Putain, c'est tellement House of the Dead! C'est tellement House of the Dead, ces monstres-là! Comment est-ce qu'on lance la grenade? Je me rappelle plus. Ah, c'est le même monstre! Non, franchement, c'est pas injouable. Time Crisis? Ah, franchement, je l'avais dosé à l'époque. Hein. Je sais que je le finissais au flingue. Mais par contre, House of the Dead 2, je crois que je l'ai très peu terminé. C'est vraiment à la fin où j'arrive à l'avoir. Le 3, j'ai jamais terminé, par contre. Le 3 est vraiment beaucoup plus dur, je trouve. Hein. Allez, c'est GG encore une fois. Mais oui, ce jeu est ouf, MK. Non mais t'imagines qu'on est en train de faire dans un jeu là. Bon, rancé, c'est nul à chier, mais c'est pas grave. Là, on joue pour la vie là, surtout. Allez, chapitre 3, ça va se faire.
C'est bon. Mais il me faudrait absolument... Il me faudrait absolument un vrai flingue ou un move, quoi. Parce que là, c'est vraiment l'enfer pour viser. Ouf, il m'a fait flipper, lui. Ok. Ouais, j'arrive à trouver de la vie aussi. Parce que là, là pour le moment, je fais tout. Ouah, chaud. Ok, c'est bon, GG. Ah merde. Ah, j'ai un problème. Ça sonne chez moi. Faut que j'aille ouvrir. Ah, merde. Le dégoût. Vite, je me dépêche. Vous l'avez rien vu. Vite, vite, vite. Allez, c'est bon, c'est ok. C'est ouvert, vous n'avez rien vu. Lancer une grenade. Ah, c'est triangle du coup, bah, c'est bon, je sais maintenant. Ok, très bien. Et donc, on tire avec rond. Bah non, je tire avec un, moi. Ah, oh le boss. Oh le boss de ouf. Ah oui, d'accord, mais vous imaginez ce qu'ils se sont fait chier à faire quand même dans le jeu, quoi. On va lancer les grenades, hein, parce que je le sens pas du tout celui-là. Allez, recharge. Allez, c'est bon, ça passe. Tire à la tête. Allez, recharge. Il est mort. Ouh, le gavage. On récupère plein de points, par contre. Hein. Ça, c'est stylé. Ça fait grave, ça vous aide. Mais c'est une parodie, en fait, Silent Killer. C'est voulu. C'est une parodie assumée. Et Yakuza Zombie aussi, ou je sais pas quoi, il y a... C'est de la parodie 2 en 1, ça. Par contre, j'avoue que j'aimerais vraiment trouver... Merde. Non, j'ai fait le boulet. J'aimerais vraiment trouver... de la santé. Pour me rush... Pour me... Ah. Non, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu le pied. Bon, là, au niveau du score, on va dire que c'est Osef, hein. J'ai chaud. J'ai super chaud. Allez. Il m'a griffé avec sa chaussure. Et pourquoi pas. C'est le jeu vidéo, ça. Ok, attention. Oh, il est costaud de ouf. Ça rappelle le mec qui te poursuit, là, dans le labyrinthe. Je sais pas si vous vous rappelez de ça dans House of the Dead. Espèce de machin un peu chelou qui te poursuit et tu dois lui tirer dans la tête dans tous les sens. Très, très dur, ce combat, soit en passant. Ça, c'est un de mes gros regrets de la vie, en vrai... Alors là j'ai complètement merdé. J'ai plus de vie. Bon d'accord. Ok boss. Attends, il y a un truc à droite. Il y a peut-être ce que je veux. Non, c'est pas là. Allez, ça va le faire. Attends, il y a de la vie là. Ne meurs pas. Ah, je crois que j'ai récupéré la vie avec la grenade. Oh là là, le boss! Non! C'était pas un boss! Ouais, ça devient très très dur. Hein. Ah si, c'est un boss, mais c'est juste qu'il était en pause. Dis-moi que je suis pas mort. Non, c'est bon. Dernière chance de faire un truc incroyable. Allez. Ok.
Putain, j'ai plus rien. Ah, trop chaud. Le dégoût. Attends, je peux remettre des trucs normalement. Attends, je remets une pièce. Je suis pas le fou. Non, je peux pas. Oh non, le dégoût. Oh non, le dégoût. Ah, c'est chaud. Ah, ça, franchement, c'était dur là. C'était très très dur. C'est, ça allait sur le 1, 2, 3. Sur le 4, ça commençait à être dur. Mais alors, le 5, pardon, laisse tomber quoi. Alors, du coup, est-ce que je dois refaire depuis le début ou pas? C'est là qu'on va voir. En vrai, je flippe. Hein. On va voir. Allez, deuxième chance. Infernal, infernal. Alors j'ai 3 grenades, faudra qu'on s'en serve. Ok, c'est GG. Ok. Non, trop dur. Celui-là il est vraiment faisable. Oh mais faut tellement être vénère. Faut vraiment être super vénère hein, pour l'avoir. Oh putain. C'est déjà le boss. Il est monstrueux. Oh la violence. Bon, je vais bourrer les grenades. Ouais, bon là c'était coup de flip, j'avoue. Oh mais comme c'est chaud, mais putain. Comme c'est chaud, sa merde. J'ai paniqué. C'est dur, c'est bon. C'est vraiment dur. Allez, je vous l'avais dit, c'est pas terminé. Je te vois, fan de Frionel, mais quand je suis dans ce jeu-là, c'est très dur de regarder le chat. D'accord. Ah. Fan de Frionel le meilleur. Des bisous. Des bisous à toi. Ah là 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 là. Alors. Bon, du coup, ouais, c'était chaud. Mais encore, je pense pas qu'on l'ait débloqué. Hein. À mon avis, là, faut faire le 5 et 6 d'affilée. Et je pense pas qu'on le fera tout de suite. Et des bisous à Frionel au passage d'ailleurs. Attends juste, je suis perdu. Nye. Attends, mon truc il a merdé. Ah. Ah merde, j'ai fait planter mon chat. Bon, c'est pas grave, attendez, je vais relancer. Ouais, donc du coup, si je regarde bien le truc, je pense que là je suis foutu en fait. On va voir, hein, mais je pense que je suis foutu. On va voir. À mon avis, ouais, le chapitre il doit se faire les deux d'affilée en même temps. Ça pue. Ah non, il est... Ah bah on retente. Attends, on retente.
C'est pour ça qu'il y avait un autre trophée. Par contre, il y a moyen que ce soit beaucoup plus dur. Par contre, là, du coup, j'ai récupéré les grenades, donc je pense que le mec en pierre, il se tente. Le mec en pierre, il se tente. On va voir. Ah, il y avait complètement un bonus. Ok, c'est easy. Bah attends, on va voir, parce que c'est pas dit qu'on ait le trophée avec ça. Faut tenter. Ouais, si, c'est bon. C'est le bon move. Donc là, dès qu'il y a un mec en pierre, en gros, on le tamponne avec ça. Ah, ça c'est facile. Attends. Facile, mais quand même. Attends, on va se retaper tous les boss du jeu, du coup. C'est possible, hein. Oula. Ah, le vrai méchant. Le vrai boss. Il est là. Ah. Bon, j'ai fait un peu le faible avec la grenade, mais en vrai j'ai flippé. C'est tellement l'amour en vrai ça. Non, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Bon. J'ai claqué la grenade, je le sentais pas non plus. Ouah, mais c'est super dur. Peut-être tenter la main en premier. Ah, j'ai gagné. Mais non. Allez, bim. Donc c'est bon, c'est passé. Ah. Ça va. Ça va. Terminé, félicitations. Bon, avec un score nul, hein. Clairement, c'était petit joueur. Moi, j'ai quand même une question pour fans de Frionel, une question sincère, hein. C'est pourquoi. C'est vraiment pourquoi. Qu'ai-je bien fait à cet homme ou à cette femme pour un tel propos. Alors, du coup, juste qu'on regarde bien. Donc attends, on va vérifier. Est-ce que c'est validé? Normalement, oui. Et ouais, c'est bon, c'est ça. Ah oui, du coup, c'est stylé en vrai. Hein. Ça fait des vraies belles récompenses, quoi. Ça fait des vraies belles récompenses. Alors, attends, on a combien? Putain, 32 minutes, mais non, mais quelle honte. Alors ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on peut aller checker du côté de... Je sais pas, est-ce qu'on tente le Mahjong? En vrai, je pense que c'est nul si on y va tout de suite. Est-ce que le Batting Center, on peut y aller tout de suite? Ça, je pense pas, mais bon. À mon avis, si on pouvait y aller, on l'aurait déjà pu depuis un petit moment, ouais. À mon avis, ouais, si on avait pu le faire, on l'aurait déjà fait. Je peux regarder, hein, c'est juste à côté de toute façon, donc on va pas galérer. Attends, juste un truc par contre, au niveau de la bouffe. Ah oui, c'est ça, j'avais un truc de bouffe à faire. On va tenter ici du coup. On va aller manger en 2-2. À mon avis, le nombre d'heures pour tout compléter, il est colossal. Il est vraiment, vraiment colossal. Merde. Oh là. Attends, comment ça se fait du coup? Tu repasses par là. C'est pas clair leur truc pour bouffer là. C'est pas clair du tout. Peut-être qu'il y a un truc ici. Ah oui, ça doit être ça. Voilà, exactement. Ah! Attention! Ah mon dieu! Ah, à l'aide! Un traducteur, vite! Oh, il paraît que c'est la meilleure des Katanax. Traducteur? Mais de quoi parle-t-elle? Hey, tout va bien? Non, pas du tout. Je ne comprends pas un mot de ce que dit ce type. Pitié, je ne sais plus quoi faire. Pardon me, but do you happen to know where the lavatory is? Hein? Mais j'ai toujours été bon en anglais courant, je vais prendre le relais. Hey, tout ce qu'il veut, c'est savoir où sont les chiottes. Oh, mais c'est juste à l'extérieur du café. En anglais, ce serait... It's right outside the coffee. You can admit it. Oh, excellent. Thank you very much. Ça s'est plutôt bien passé, j'espère que je n'ai pas trop semblé rouillé. Je suis désolé, monsieur. Ce dernier mot m'a vraiment pris au dépourvu. J'ai toujours cru que c'était simplement toilette, en anglais. Eh bien, au moins, vous avez des rudiments. Il est parfois difficile de savoir quel mot employer. Oui, j'apprécie la langue, mais je ne l'étudie pas depuis longtemps. Ah oui, forcément. Alors vous êtes étudiante? Oui, à la fac. Je pensais aller travailler à l'étranger quelque temps aussi. Enfin, une fois diplômé. Alors j'ai décidé de me mettre à travailler ici pour pratiquer l'oral.
Vous savez, sachant que les hôtels accueillent beaucoup de clients étrangers, ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, eh bien, continuez à votre anglais et ça devrait s'améliorer. Oui, merci pour la leçon d'aujourd'hui. Oh, et puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît ? Bien sûr, je m'appelle Takayuki Yagami. Et moi, Kaede Sanada. Ravi de vous avoir rencontré. Très bien. De même, et bien bonne continuation. Oui, à bientôt, j'espère. Calmons-nous sur le chat. Alors, est-ce qu'on peut avancer notre niveau de tout se passe bien. Ah, un croissant à 1,50€, 1,70€. Je dis oui. Attends, on va faire un croissant plus un expresso, plus un cheesecake. Voilà, tant qu'à faire, on a faim. On en a gros. C'est ça. On a gagné un bon Kamurogo. Très bien. Parfait, ça. Allez, on graille. Parce que du coup, je rappelle que ça fait des points maintenant dès qu'on mange un truc. Donc, tant qu'à faire, autant se faire plaisir avec la bouffe. Le jeu qui t'apprend que bouffer, c'est bien. Merci beaucoup. Et on se casse. Ça valait le coup. Voilà, donc là, on voit les récompenses en haut hein, qui sont le Kamurogo. C'est magistral. Bon alors du coup c'est très bien tout ça, mais maintenant on a dit qu'on voulait aller faire donc potentiellement du baseball. Ah, ou alors je vais tenter ici. On va tenter ici d'abord. Ah, c'est le burger dégueu. Oui, puisqu'après un bon cheesecake. Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez... Ah, parfait. La salade du smile. Avec les frites du smile et le smile shake. Ah, ma santé au maximum après ça, d'accord. Allez, boum, on bourre. Ça se passe bien. Merci beaucoup. Oh, et vous là, hein? Comment ça, pourquoi? On organise un concours pour promouvoir l'amitié entre le Smile Burger et la communauté locale. Je vous explique. D'abord, chacun de nos invités peut prendre un cliché Smile avec l'un de nos membres du personnel Smile. Ensuite, nous publions ce cliché sur notre site officiel. Et enfin, nos autres clients peuvent se connecter afin de voter pour le sourire gagnant. Simple, non? Attendez, vous allez publier nos photos en ligne? Oui, mais en compensation de cette invasion de sa vie privée, le gagnant aura la primeur de notre menu sacré. Mais vous devez quand même payer vos commandes. Alors, après nous avoir forcé à sourire et charger nos photos en ligne, vous voulez en plus nous extorquer de l'argent? Monsieur, pourriez-vous défoncer les sourcils, s'il vous plaît? Pourquoi ne pas nous offrir un joli sourire à la place? Bon sang, mais je voulais juste un burger. Comment me sortir de là? Allez, soyez sympa. Pourquoi ne pas prendre une photo avec moi? Je m'appelle Anae Ida, en passant. Et voilà, nouveau contact. Je sens que ça va être incroyable. Bon, d'accord, je ne peux pas résister à un menu secret. Super, alors c'est parti. On va prendre une photo devant le restaurant. Grand moment de RP, encore une fois. Le teriyaki burger est là, exactement. Hé, hey, faites-moi ce beau sourire, je sais. Allez, essayez de rire pour voir. Ah, voilà, et là, tu fais un selfie incroyable. Allez, ne tire pas la gueule. Ah oui, c'est pas les gros sourires. C'est pas les gros sourires. Elle est fabuleuse. Elle est parfaite. Bon, c'était pas si terrible. Tout va bien. Vous devriez peut-être travailler un peu votre sourire, monsieur. Êtes-vous d'un naturel joyeux? Ah, vu sa gueule, je pense pas trop. Hein, parce que le mec, il arrive, il est tamponné de partout, plein de bleu et tout. Vous me demandez mon meilleur sourire et maintenant vous me jugez? Ne froncez pas les sourcils, faites reset, c'est plus chouette. Waouh. Très bien. Bon, tout ça pour dire qu'on a bouffé et que du coup, définitivement, pour se rendre là-bas. Et tenter. Avec la gueule en sang, j'avoue, c'est pas le top. C'est pas le top. Ah, attendez, ça voulait se battre. Viens là! Et là... Oh oui! C'est le renfort! C'est Adachi... Non. Il est parfait, je vous dis! Il est parfait, ce jeu! Vu qu'on a notre pote et notre vinyle, regardez ce que ça a donné! Comme ça valait le coup, quand même! Incroyable! Il est fabuleux! Allez, va.
On n'en parle plus. Tu vas la manger ta brochette. C'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien. Bonjour aux personnes qui arrivent, bien sûr, bienvenue, hein. C'est le meilleur moment. Ah, attendez, quoi? Je peux fumer? Une bonne cigarette me ferait du bien. Ah oui, d'accord, c'est Solid Snake, là. Je peux fumer, librement, tranquillement. Ok. Tranquillement, à base de tranquillement. Ouais, j'ai appris à analyser la trajectoire de la balle et à sentir l'esprit du combat du lanceur. Quoi? Une femme écervelée, vous noterez le nom. Et comment un robot, il pourrait avoir de l'esprit? Peu importe, c'est une question d'âme. Et que mon adversaire soit humain ou pas, mon esprit bouillonne. Crois-moi, le baseball, c'est pas fait pour toi. Yukun. Magnifique. Voilà, ça valait le coup de faire une clope. Je devrais me mettre en route. Tu m'étonnes. Alors, est-ce que c'était une quête annexe vis-à-vis de ces deux qui sont là? Je ne sais pas. Et donc là, on arrive au moment fatidique, le moment du baseball. Alors, on va pas faire un gros coup de baseball. 300 yens à partie, allez, je tente. Épreuve home run. Ok. Et comment ça se joue? Attends. Faire un swing avec la batte confirmée. Très bien, voir les règles. Très bien. Alors, le roi de Kamurocho. La légende du baseball qui a fait sensation dans un passé pas si lointain revient vous défier. Réussissez un maximum de home run sur 10 lancés. Atteignez le rang A ou plus pour terminer l'épreuve. Putain, mais c'est chaud. Oh, ce lancer incroyable. Yes. Et là, c'est le drame. Katobas. Oh! Dommage. D'accord, j'ai compris. En fait, tu dois regarder où va la balle vis-à-vis de la trajectoire. Oh, mais c'est chaud! En plus, il fait des balles courbes et tout, quoi. Boum! Ah, dommage. Oh, oh, les effets de merde! Mais comme c'est dur! Parfait. Non mais... Qui arrive à taper ça? Ah, pas mal. C'est un hit. C'est ok. Ah mais d'accord, je viens de comprendre. En fait, le mec en face, c'est un écran. Et c'est une balle qui t'est envoyée par un trou. Mais ça existe en vrai, ça, au Japon? C'est incroyable. C'est incroyable. Il est ouf, ce système. Non! Bon, le home run, c'est chaud en vrai. Je vais regarder si je peux faire une épreuve défi, on va voir. Laisse le curseur sur la balle. Oui, oui, non, j'ai merdé. Ouais, ça existe. D'accord, ok. Alors là, par exemple, si on fait ça, le roi de Kamurocho, donc il y a des défis. Et ça existe pas qu'au Japon, d'accord, avec l'écran et tout comme ça. Putain, c'est trop cool! Katobas. Oh! Yosh. Ah, ça y est, je l'ai. Oh! 3 sur 3! Incroyable, mais vrai! Oh, 4 sur 4, c'est bon, c'est parfait. Je crois que j'ai compris. Ah, dommage. Deuxième base. Troisième base, c'est dommage. Trop tôt. Trop tard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est bon, quatrième. Cinquième. Ce qui fait du coup 8 points. Ah oui, parce que le but c'était de faire des points là, donc j'étais large en fait. Ah, ça c'est dommage. Petite faute. Ah oui, d'où les défis, du coup je comprends mieux. Et oui, du coup, quand t'as validé les défis, j'imagine, voilà, épreuve réussie, c'est très bien. Et du coup, j'ai un pass de jeu, je sais pas ce que c'est. Mais j'imagine que je peux jouer au défi d'après. Donc ça veut dire que là, potentiellement, on peut faire le défi qui est juste dans la foulée. On va vérifier comment ça fonctionne. Donc, épreuve défi, voilà, très bien. D'accord. Ah oui, et donc là, mais non, mais c'est... Le jeu, il est infini. Il est infini.
Je suis pas à la zone parce que j'arrive pas encore à bouger le stick en temps réel, mais ça viendra. Là, je pense que je vais y arriver mieux. Parce que là, on va essayer de bouger le truc, mais c'est compliqué. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est quand il fait un effet, il décale le truc. D'accord, ok, c'est bon, j'ai. Ah, là, je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse de ouf. Très très dur, hein, très très dur là. Ouais, c'est bon. Allez, GG. En fait, c'est très dur de faire les deux en même temps. Mais moi, j'ai une question quand même pour les gens qui sont fans de Yakuza. Quand vous avez fait 3 Yakuza, comment vous avez le courage d'en faire d'autres en vrai? Parce que c'est ça le truc, c'est que c'est trop bien, hein, c'est pas le problème. Mais tu te dis que, ouais, voilà, une fois que t'as fait tous ces trucs là, déjà sur 2-3 jeux, c'est ouf, hein. Bon, du coup, la deuxième défi réussi, ouais. L'histoire, ouais, non, bien sûr, j'entends l'histoire, mais c'est vrai que du coup, les défis, enfin, j'imagine que les faire les 100% des jeux par exemple. Si globalement tu retrouves en plus les mêmes mini-jeux, les mêmes machins, ça doit bourrer quand même après au niveau niveau moral, tu dois avoir envie de passer à autre chose, je pense, non? Yosh. Ah oui, d'accord, il y a juste à se mettre sur la grille, pas besoin d'être pile poil sur la balle. Ah, le salaud. Ah oui, d'accord, c'est que c'est soit à gauche soit à droite dans ce cas-là, ouais. Oh, l'effet horrible. C'est pour se passer, mais c'est un miracle, hein. Ouais. Toi, Chéline, tu trouves que c'est la même que, par exemple, à The Witcher? Merde. Moi, je trouve pas, justement, parce que The Witcher, le système, il se réinvente, il s'améliore et tout. Alors que là, j'ai l'impression que c'est quand même le même quartier, le même principe de bourrer tous les trucs secondaires et tout. Après, je me trompe peut-être, hein, je connais pas le jeu, donc je vais pas m'avancer trop. Non, trop rapide. Allez, c'est jouable encore. Mais non, mais c'est... Pff, impossible. Dommage. Bon. Ça fait un point ou pas? Non, même pas. Ah, zut! J'avais pas vu l'effet. Non! Aïe! Dommage. Eh oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Faut recommencer. Le baseball change un peu entre les hôpitaux, d'accord. Mais oui, sinon c'est très similaire, d'accord. Bah oui, c'est ce qui me semblait en fait. On les a pas enchaînés d'un coup, les mini-jeux varient. D'accord, ok, ça marche, Killer You. Ouais, ça varie quand même pas mal entre les épisodes, d'accord. Bah, parce que sinon, j'allais me dire... Enfin, là, nous, ce qui fait l'effet de fou, c'est l'effet de surprise, en vrai. Mais quand tu l'as plus, ça doit perdre un peu de sa magie. Mais c'est vrai que sur Twitter, je comparais ça vraiment au... Comment dire? À la découverte de Shenmue, quoi. Vraiment, je revis ce que j'ai vécu quand j'ai découvert Shenmue sur Dreamcast. Et Shenmue 2 surtout sur Xbox, parce que c'est surtout le 2 que j'ai fait. Mais après, oui, ouais, les... Vous parlez du Mahjong, ouais, j'imagine que le Mahjong, ça peut être un peu relou, ouais. Comment ça, j'ai que 4 points? Merde. Ouf, c'est trop chaud. C'est vraiment chaud. Hein. Ah, punaise! Ah, salaud, il bouge! Allez, elle est bonne! Mets-moi au moins un point, s'il te plaît! Ah, il m'a pas mis de point! Oh, c'est dégueulasse! C'est dur! C'est super dur! Oh là 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 là! Non, mais on se laisse pas voir, j'y crois. J'y crois, j'y crois. J'y crois à mort. On est vivant tant qu'on est fort. Allez. Faut que ça le fasse là. Est-ce que c'est toujours les mêmes patterns? J'ai l'impression que oui quand même, hein. Ah, mercredi. Allez, c'est bon. Et de deux.
Ah, trop tôt, dégoûté, j'ai stressé. Pourtant, c'était bon là. Allez, home run. Oh, joli. J'ai réussi à réinverser sur le coup. Oh, c'est pas home run, c'est dommage. Non. Non. Non, je pensais qu'il bougeait pas. Oui. Oh, GG. 5 points, c'est bon. J'ai pas compris pourquoi il y avait des balles qui me donnaient un point et d'autres deux par contre. Allez, c'est bon, c'est facile. Façon de parler. Ah, bonjour à personne qui arrive, bienvenue à vous. Bon, tout ça pour dire que on a bien avancé. Donc si on fait Kamurogo et qu'on va au niveau des commerces et qu'on va au niveau du... Comment dire ? Du Patting Center, voilà, c'est ça. Donc là, bam bam bam, c'est fait. 3 défis accomplis. 3 sur 13 du coup effectués. On voit qu'il en reste quand même beaucoup des trucs à faire. Après, il faudra faire les épreuves de home run. Ça va être super chaud. Je vois qu'il y a des défis du Goliath, de l'As, du Titan, du Roi. On vient de le faire. Ça a l'air chaud. Ça a l'air très très chaud. Mais bon, du coup, voilà, 3 sur 19. On se fera une VOD pour chacun. Hein. Il y aura la VOD Batting, la VOD Mahjong, la VOD Les Drones, la VOD La Totale. Et la prochaine, du coup, ce sera la VOD de l'histoire, bien sûr. Merci Darkswoo qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Est-ce que pour terminer, on n'irait pas écouter notre vinyle? Ah ben non, parce que c'est loin, c'est chiant. Si on peut encore. Allez, on va faire ça. Pour terminer, on va aller écouter notre vinyle. Je pense que c'est le minimum. Ah, j'avoue, Tana, que le jour où il y a des problèmes de go dans Yakuza, imaginons peut-être le prochain, je ne sais pas. Là, je ne réponds plus de rien. Mais vraiment. C'est-à-dire que vraiment, avoir une petite IA, des problèmes de go et tout, comme il y a le cas pour le shogi, je serais comme un ouf. Mais déjà, si je pouvais apprendre le shogi pour réussir à faire les défis de shogi dans le jeu, je serais vraiment, vraiment, vraiment très content. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je regarde les règles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à comprendre le shogi, justement, grâce au tuto du jeu, ou est-ce que c'est inenvisageable pour un débutant? Parce que ça a l'air quand même chaud patate, hein, mine de rien. C'est pareil, le Mahjong, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs à faire. Pour vraiment maîtriser le bazar, quoi. Enfin, maîtriser. J'ai compris, l'audience Exarion, ça va, d'accord, ok. Donc, à tester, quoi. Excusez-moi pour le scooter. Ouais. On va voir. Allez, tout ça pour finalement finir sur un moment de musique. C'est parti. Alors, je suis sûr que la musique est pas libre de droit. C'est parfait. Ambiance lounge. Et c'est ainsi qu'on terminera du coup cette VOD, merci à vous d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu, c'était du coup ce nouvel épisode spécial quête annexe et spécial House of the Dead Like dans ce Yakuza, merci à vous d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu, passez tous une très bonne fin de journée pour les gens qui voient ça en VOD sur YouTube, pour les gens qui sont sur live, bien sûr ne quittez pas, on continue tout de suite, je vous dis à dans quelques instants, à très bientôt.